Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 22 du Let's Play de GTA V. J'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais bien, je vous remercie. Alors, droite, gauche, boum. Alors, je remercie déjà les gens qui ont répondu en commentaire, comme quoi ça existait déjà, la station de lavage. Je vous avoue que j'ai jamais vraiment fait attention, mais il paraît que ça change pas grand-chose au jeu, finalement. Donc voilà, c'était juste pour remercier les gens qui m'avaient répondu en commentaire, parce que moi, je pose une question... Vous me répondez, surtout avec des personnes qui ont vraiment émis des belles phrases, etc. Donc c'est la moindre des choses, moi, de vous remercier dans le prochain épisode. Donc là, oui, maintenant, je balance un peu plus d'épisodes que d'habitude pour le terminer. On me dit que je suis pas forcément très loin de la fin. Donc on y va tranquille. Hein. De toute façon, après, dès qu'on aura fini, on pourra faire les missions détraquées, etc., que moi, j'ai envie de les faire. Après, j'appellerai ça le Let's Play hors série. Où on fait tout et n'importe quoi. Les gens qui voudront participer avec moi, avec grand plaisir. Les gens qui voudront pas regarder, bah tant pis. Alors, ouais, c'est bien par là. Je me suis loupé, j'aurais même pu prendre le chemin que j'ai pris. En tout cas, j'espère qu'avec cette canicule, vous passez des bonnes journées. Pour ceux qui font le ramadan, courage. Je vous soutiens, parce que je suis dans le même cas. Et aux abonnés qui ont des piscines... Bah, profitez-en. Et ceux qui n'ont pas de piscine, bah, n'hésitez pas à la piscine ou à la mer ou n'importe où. Parce que oui, j'ai des petits abonnés, hein, des petits malins qui m'envoient des snaps. En mode salut Coty, je suis à la piscine et tout. Et toi, tu fais quoi? Ouais, j'ai envie de dire. Mais putain, arrête, laisse-moi tranquille. Moi, je suis en train de mourir de chaud et je peux rien faire, même pas boire. Alors, quand on va ça, bien sûr, je rigole. Hein. Si j'étais à votre place, je ferais la même chose. Mais bon, c'est quand même triste. Allez hop. Alors, si je dis pas de bêtises, on avait récupéré 3 voitures. Ouais, il me semble. On avait récupéré la NTT et l'autre avec Michael et Trevor. Et on avait récupéré aussi la Z-Type, celle qui était un petit peu un gros nez là. Donc je sais pas si on va là ou faut faire la suite, je sais plus du tout. Oula, tu sors comme ça toi. Attention, allez. Hey Molly, I'm outside the studio. Alright, go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part, or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. D'accord. Alors, où est la voiture? Allez, allez là-bas. C'est parti. Par contre, je suis désolé si je souffle un petit peu plus que d'habitude. C'est qu'il fait vraiment très très chaud et bah, j'ai fermé mon balcon. Ceux qui se disent, mais Coty, t'es ouf, pourquoi tu fermes ton balcon? Moi, c'est juste parce que... juste parce que, comment dire, bah... Ok. Tu es bien tombé. Oui, juste parce que les gens dehors s'amusent à jouer au foot, etc. Ils arrêtent pas de crier. Donc pour éviter de vous mettre de vous ennuyer avec un bruit de fond, bah, voilà. Oh, il est beau gosse comme ça. Je pense que même si je l'avais tapé devant la femme, elle aurait rien dit. Vu qu'elle se faisait disputer. Ouais, je pense que c'est par là. Bonjour monsieur. Where the hell is Brandon? Jesus, are you gonna find him? Someone's gotta find him. Ouh, jolie femme, dis donc. J'ai l'impression d'être James Bond. Ok, moi, je m'enfuis comme un... comme un gros bâtard. Get off the wheel. I need to get the fuck out of here. Studio security are shutting your ass down, wacko. They ain't gonna be on us for long. Ouh là, c'est quoi cette voiture qui va dans un sens là? What? Je vous jure, la voiture à tang. Regardez, vous voyez pas, mais en fait, à tang toute seule. Regardez, là je vais tout droit, je vais dire, mais attends, vraiment, enfin, je sais pas si c'est ma manette. Non, mais c'est où vite? Vite que je change de voiture là, parce que celle-ci est horrible. Vraiment, c'est pas ma conduite. Hein. D'habitude, oui, c'est vrai que je conduis pas très bien. Mais là, c'est encore pire que d'habitude. On dirait qu'ils ont tiré quelque sur. Ils ont peut-être pété une roue, je sais pas. Il me semble pas pourtant. Attendez, je vais l'amener dans une petite route.
respect you as an artist and a human being, but I got up. See you later. C'est bon. But I got other priorities. Maintenant, faut aller où? Get us back now! I've been abducted by a crazed fan. Girl, please. I like some of your work, but don't get ahead of yourself. What's wrong with you? Didn't your parents love you when you were a child? My dad disappeared. My mom was a crackhead. But that ain't what this about. Damn, what's this button do? Fantastic! What? Tac. The fuck? If you have the car, bring it to Hayes Auto in South LS. Mr. Weston is marathon training, but he can change his route and meet you there. Yeah, okay. Because I got the car and it was messy. That's fine with us, but your associate, Michael DeSanta, has done some work at the studio and he might not be so happy. Yeah, whatever. What kind of shape is the car in? Well, whatever. We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spike and ejector seat need replacing too? Both of those is going to need replacing, alright? Good. Il était beau le ralenti juste pour ça. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. En fait, je crois que c'était la meuf qui faisait tanguer la voiture à force de taper. Parce que depuis que je l'ai éjectée, bah, la voiture elle bouge plus bizarrement. Je sais pas. Ceux qui ont fait le jeu, n'hésitez pas à me dire si c'était moi ou si vous aussi vous aviez eu ce problème de tangage. Donc ça se dit pas, c'est pas grave. Par contre, est-ce qu'elle existe cette voiture dans le jeu? Enfin, en multijoueur? Si oui, est-ce qu'on peut utiliser le bouton carré? Genre si on a un pote avec nous? Si on peut le prendre avec nous et genre appuyer carré pour l'éjecter? Celui-là, non. Bah ouais. Pourquoi chercher compliqué alors qu'on peut faire simple? You're developing quite the rep there, Slick. Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know. Movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so what we just did is practically legal. Ha! Practically. Ooh, shit! Look at this motherfucker. You doing it big, my nigga, on the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the two-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davis. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly Hell what you yeah. do right man, there, look, man. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit. But you're the brains, am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. Okay. Ce n'est pas une soumise, Lamar. Très bien. Tu veux pas t'arrêter? Soit je prends ta voiture, tranquille. Alors, où est-ce qu'on va aller? On a Lester... Ou alors Michael, tant qu'à faire. Lester m'a dit que c'est mieux vaut le faire à la fin. Je l'ai vu dans les commentaires. Je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Pardon ma poule, excuse-moi. Non, non, vas-y, non. Merci. On dirait trop un chauffeur de limousine ou tout, ou... Comment on appelle ça? Vous voyez, pardon. Tu vois, ouais, je te tutoie. dans les hôtels, là, il y a les mecs qui rangent les voitures. Ça fait penser à ça, personnellement. Allez. On se concentre 2 secondes. Ok. Même après 10 ans, je conduirai toujours aussi mal. Hein. Il y a des personnes qui disent « Mais Coty, tu conduis mal !» Oui, bah c'est pas de ma faute. Hein. Je vais pas être un génie comme vous, malheureusement. Malheureusement, sinon ça serait beau. Et même si je me prenais aucun accident, on me dirait que c'est triste parce qu'il n'y a pas d'accident. Ouais. C'est comme ça, c'est triste. Allez. Bon, le virage, je l'ai pas tout de suite. Attention. Bon, on va prendre la prochaine, c'est pas grave.
Tout est rattrapable dans ce jeu. Et même, ouais, c'est mieux de prendre par là que ça fait qu'une ligne droite pratiquement. On se trouve des excuses. Hop là, attention. On va plutôt assurer le coup. Hop là. Voilà, ça je la fais tranquille. Donc là, pour être sûr. Voilà. Ça va être compliqué. Là. Par contre, la conduite, quand on est comme ça, elle est excellente. Regarde. Ah, n'oubliez pas. Il a fallu que je dise que la conduite, elle est excellente comme ça pour me planter. Avec le ralenti et tout, c'est magnifique. Par contre, là, je vois plus rien. C'est drôle, mais là, je vois plus rien. Merci. Is empty. Oh, hey. I had to kind of lay low for a while. Yeah, that nice Mexican we met. Me and T did that job for him, and we fell out. You gotta be joking. I wish I was. So where you at now? Desert, out by Alamo Sea. All right, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. Oh, hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife? No, no, the Mexican's wife. What? Shit, I don't know what to say about that one. Nothing. Nothing to say about that. Run! Run! I'm back! Coming, Trevor! Now bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. Absolutely! Who the hell's that, your maid? No business partner. Good guy. Very loyal. Ron, Ron, that is Michael. And this is Patricia. Listen, beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened. And that, you know, I can't guarantee no harm's gonna come to you. I might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes examined, then. Ron, you miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story, it's just not quite come good yet. But I heard about something to do with Meriwether. Those assholes. Big cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to, requisition it. Fantastic! Let's go! Come in. Whoa, no, 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 not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low. And watch her, okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on, let's go! The weapons are coming in by air. We've got a plane over at the airstrip, but... Right! Let's go! Allez, c'est parti. Je vous retourne qu'on a pété dans le désert. Ça m'aurait presque manqué. We're not gonna take out a private army on the ground, Ron. We gotta meet them in the air. Okay. Well, I knew that you were pissed after the Meriwether heist, giving back the hardware. That was bullshit. Right. Right. So I've been monitoring chatter, tapping into Meriwether networks. Feels good to be back in the company of a professional. I gotta say, I got it. Now, I was expecting something a little more impressive. The late, great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the end game, man? We had a good thing going without him. If it's such a good thing, where's my money, huh? Where's my consultants fee and my big fat dividend? I want a franchise network, Ron. I want reward cards, merchandise. Just the plane I need to take on a heavily armed, tax-funded militia.
D'ailleurs, cet avion, c'est pas celui qu'on prend pour... Enfin... C'est pas ici qu'on... Qu'on pique l'avion pour le braquage. Enfin, je crois. Par contre, j'aurais peut-être dû pousser la voiture. Elle, par contre, dehors, arrêtez de crier. Commencez même pas. Bon, ça va, ça passe, ça passe, ça passe. Allez, on y va. En espérant que ça se passe bien. Voilà, une vue plus éloignée. Ça me tente. Allez, 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 voilà. Il en a fallu. Ok, les roues ne remontent pas avec lui. On y va. Par contre, oui, j'ai remarqué que c'était qu'ils avaient enlevé depuis la mise à jour des braquages, ou depuis la, je sais plus laquelle, qu'ils avaient mis en Miles, hein, vous inquiétez pas. Quand on est à la base militaire, ça veut dire. Waouh. Enfin, je crois. On verra. Je pense qu'ici c'est assez bas, que je vais éviter de me prendre les poteaux là. C'est mes pires ennemis. Par contre, je... pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vent? Mais il est beau l'avion là-bas. Ça aurait été bien de faire comme dans Just Cause. Genre tu peux monter sur l'avion, boum, tu prends la place. Alors descend, je suis pas assez bas là. Je suis pas non plus rouler par terre. Moi je n'ai pas une mesure de hauteur. Rester vers là. Comme moi, comme un con, j'allais passer par la base militaire. Ça m'aurait pas du tout aidé, bien au contraire. Par contre, l'avion, je sais pas où il va. Qu'un aéroport. Je sais pas. Allez. On est bon. Ah, c'est cet avion qu'il faut choper. Je disais bien que c'était bizarre pour de le voir ici. Allez. En espérant que ça marche. Vous avez tous confiance en moi, n'est-ce pas? Quelle question. Bon. On monte d'altitude parce qu'on passe par là. Ah. Le soleil va se lever là dans pas longtemps. T'inquiète. Passer par là parce que je sais que passer entre les arbres ça m'aurait fait monter plus haut. Allez, allez, voilà. Par contre, il me fait un petit peu peur l'avion là parce qu'il a, désolé si je parle pas trop, hein. Comme dirait ma mère, bah, si t'as rien à dire, ferme ta gueule, tout simplement. Donc, c'est vrai. Allez, on y est presque. Je pense qu'ils veulent nous emmener à un point bien précis.
On a fait tout le tour finalement du Mont Chiliad là. Allez, on se concentre. Oh, attention! Ici, un petit monde un peu chelou. On va passer par la gauche. D'ailleurs, oh, attention! D'ailleurs, tunnel, c'est le mot magique de cette vidéo. Voilà, tunnel. Ok. Approchez-vous. On y va. This is Captain T in a 1989 crop duster. Just enjoying the beautiful San Andreas weather. Il a bien dit ça. Par contre, je suis pas sûr qu'on puisse le rattraper. Hein. De toute façon, on va battre avec quoi? Il n'y a pas d'avion de chasse. La base militaire est trop loin. Le temps qu'ils viennent, j'aurai déjà fini mon affaire. Tire-moi pas dessus, hein. Rentrer à l'intérieur. What? Allez. Au calme, on va se faire ça bien. Toi, hop. Ça t'avait pas suffi. On recharge. Oh, attention! Non mais... Je voulais... Je me suis fait niquer. Bon, je pense pas qu'on va la réussir du premier coup. Par contre, attendez, j'ai peut-être des friandises. Qui sait? Non. Ah mais qu'est-ce qu'il... Voilà. Voilà, c'est bon. On a récupéré assez d'énergie. Par contre, je me suis fait niquer par la voiture. RIP. Voilà. C'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Par contre, je l'ai mal fait. Adieu. Par contre, les corps, genre, ils tombent pas. La voiture tombe, mais les corps ne tombent pas. Allez. On peut le faire. On peut réussir cette mission. On dort, il commence à m'énerver, hein. Crier comme ça. La pauvre gorge. Ah oui, c'est très loin, d'accord. Je pensais que c'était beaucoup plus proche. Ah, c'était vraiment une mission pour Trevor. Hein. Fallait être fou pour pouvoir rentrer de cette façon. Ah, je suis bien comme ça. Ils peuvent rien faire. Alors, on a peur hein? Là, vous pouvez utiliser votre arme. Hein. Formation 6-9, formation 6-9. Je répète, formation 6-9, merci. Et vous voulez jouer à ce qui est la plus haute, hein.
C'est moi qui ai la plus haute. Oui. Ah bah c'est la plus grosse, mais on change quand on peut. Eh, c'est lui, hein. Mais non, mais non. Non, 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 s'il vous plaît. Zut. Je pense que c'était fait exprès. T'es sûr qu'on... Vite. Oh putain. Ah, ça serait bien de pouvoir faire des trucs de parachute comme ça tout le temps. Vite, vite, dépêche-toi. Attends, faut pas que je me fail, s'il vous plaît. Non, faut pas que je me fail. Faut qu'on réussisse tranquille. Yahoo! Ah bah attendez, il y a des caisses en plus. Je sais pas. Ok, sont là les caisses. Allez. En fait, j'aurais dû mettre mon parachute uniquement vers la fin. C'est pas forcément utile. Oh, la chute qu'il y a eu. J'aimerais bien enlever le parachute et le remettre, mais malheureusement, c'est pas possible. Par contre, les caisses, faut bien que je regarde où est-ce qu'elles vont tomber. Il y en a deux qui vont aller sans doute dans l'eau. À moins que c'est de l'effet d'optique et on se rend pas forcément compte. Oh non, pas dans l'eau, pas dans l'eau, pas dans l'eau. On n'a pas fait tout ça pour rien quand même. On n'a pas fait tout ça pour rien. Vous imaginez, les caisses à tombe, genre s'écrasent un véhicule, une personne. Ça serait pas mal. Hein. Ok, l'autre, elle sera dans le village. Aïe, aïe, merde. Bon, ça va, on en a quand même une, mais une sur trois, c'est pas terrible. Hop là. Voyons voir. Non, il s'en fout en fait. D'accord, en fait, il s'en fout. Qu'on ait réussi ou non, bah. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, oh, thank God. The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Ah, oh, good idea. But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay, look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent, Sanchez, was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage. The cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, alright? They ain't using me. Let's make that clear. D'accord, donc, attendez. Ouais, il faut aller voir le fameux B. Attendez, on va voir ce qu'il y a à faire. Ouais, le FIB, ok. Inconnu des traqués, il y a le chinois là-haut. Bah, vous savez quoi, vu qu'on a à peu près 28 minutes, si je dis pas de bêtises, on va s'arrêter là, parce qu'on a fait deux missions, et ça s'est plutôt bien passé. De toute façon, on n'est pas là pour se prendre la tête, pour aller trop vite ou autre. J'espère que la vidéo bah, vous a quand même plu. On se retrouve pour l'épisode numéro 23, si je dis pas de bêtises, du Let's Play de GTA V. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut !